Ah, le bon chill. Le bon chill, ça m'a... Alors attends, faute terrible, truc que j'ai pas fait. Non, si, c'est bon. Normalement, je suis avec le Yeti. Normalement, vous m'entendez avec une qualité de son. Ah, ça, j'aime pas, par contre. Ouah, j'aime pas du tout ça. Attends. Qu'est-ce que ça m'a fait? Ah, j'aime pas ça. Voilà, là c'est mieux. Quand les transitions se font en bonne et due forme, avec un bon fondu, voilà, ça passe beaucoup mieux. On apprécie. Allez, bonsoir à toutes et à tous les gens, c'est Moketo. On est là pour un nouveau Café MKTV. J'espère que vous allez bien, voilà, que vous passez une bonne petite soirée. Avec un peu de retard, bon, il est 21h45, un petit quart d'heure de retard, c'est pas grave, on fera ce qu'il faut. Café MKTV, des bisous à ceux qui sont dans le live, bien évidemment, Pokéa, Joekun, Yo, j'espère que vous allez bien. Ah oui, non, faut être carré, s'il vous plaît. C'est une émission avec une production, avec une régie, avec un régisseur général, avec un... Non, pas du tout. Donc, faut être bon. Et alors, ce soir, on va avoir des invités. On va rejoindre la Denden qui sera avec nous tout au long de ce Café MKTV. Bonsoir. Allô? Ah, alors, attends. Pour notre trigger, c'est bien. Voilà. J'ai mis Rissé, mais... Ah, alors, oui. Attends. C'est la fin des vacances bientôt, apparemment. Il y en a qui dépriment dans le chat. C'est terrible. Ah bon, déjà, putain. C'est vrai qu'on est en live, oui. Oui, c'est vrai. Alors, une semaine de vacances. En compagnie de Mehdi, Nao et Gigi, et bien évidemment, on tue si quelqu'un nous spoil Luigi le jeu. Moi, j'ai pas le chat. Ouais, lui, c'est vrai. Mais je peux te le lire si tu veux. Je peux te le lire, ça peut se faire. Bah, celui-là, c'est bien. Je veux bien que tu me lises. Non, mais bon. S'il y a des spoils, ce sera de ta faute, hein, très bien. Zut, j'étais sur un autre live que j'attends. Comme d'habitude, il n'y a rien qui change. Attention au leak, fermez là. Attention au leak. Ah, il y a des leaks. Ah non, attends, on se calme, hein, s'il vous plaît. On dit non. Non, autant toute la journée, on parlait du nouvel animé Pokémon, du trailer de l'animé, autant le jeu, on n'en a pas parlé, donc calmez-vous. On va retourner là-dessus, pour mon plus grand plaisir. Salut, Siro OG, ça va? Leak de quoi? De rien du tout. Rien du tout. Moi, j'aimerais lancer un sujet, c'est quand même vachement bon l'Oasis. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, bon. Non, c'est mais c'est vrai. Enfin, genre... C'est bon l'Oasis. Merci, Javier. Moi, j'en ai une petite cadette là, juste ici. Je peux t'en garder une de côté si tu veux, si tu vois ce que je veux dire. Un petit Volvic fraise? Non. Non, ça, par contre, c'est l'Oasis. C'est vrai. En général, c'est l'autre. C'est ma scène. Mais il y a un trailer de l'animé qui est sorti ce matin. Du coup, on voit pas mal de choses. C'est intéressant ce qu'on a à se mettre sous la dent, oui. Bon. Mais le truc, c'est que je sais pas si on en parle ce soir ou demain. Du coup, il y a Manga Nomi. Alors, ça sera le bilan de SM, mais. Je pensais. Ce soir et. Moi, justement, je pensais ça préfère d'en parler demain, dans le sens où on finit SM et on peut commencer à parler de... Oui, c'est ce que je dis, c'est peut-être mieux de pas en parler ce soir. Bah, la nouvelle saison, elle arrive dans 2 semaines. Hein, ouais. 17, le 17 novembre. Mais allez voir le trailer, les gens, il est vraiment cool. Hein. Purée, il va falloir que je me bouge un jour. Regardez. Non, mais de toute façon, Joekun, Soleil et Lune, ça va faire comme One Piece. Genre, les gens vont drop à l'infini SM, mais t'inquiète pas qu'ils vont se remettre à la 8G, je le sens. Bah, évidemment, mais ils vont drop à Dressrosa, mais ils vont revenir à Whole Cake, t'inquiète. Non, à Wano. À Wano. Oui, à Wano, ça. À Whole Cake, quand même. Whole Cake, ça a pas fait remettre des gens, Whole Cake? Vu les dramas CD, Katakuri, Sanji, tout ça, non? Peut-être la fin, ouais, peut-être pour Katakuri à la limite, mais je sais pas, hein. Parce que c'était encore où l'animé prenait un peu son temps. Bon, il le prend toujours, mais la DA est pas du tout pareil. Je sais pas. Ça va, Dr Chips? Comment vas-tu? Quoi? J'ai mangé un poulet en paix. Mais tu manges à 22h, t'es vraiment breton. Ah, je suis plus non, c'est, breton, ouais. c'est un espagnol. Non, les bretons c'est aussi. C'est espagnol. Hein. Ma famille, mon gars, il mange le midi, il est 15h. Hein, c'est quand même terrible. Bah... Non, mais... C'est des Américains, en fait, c'est pas des bretons. C'est... Ils sont en fait possédés.
Are you taking part in No Nut November? Qu'est-ce que c'est que ça? What is it? No Nut November, c'est vrai, faut pas manger de noix. Nut nut! Je crois qu'il faut juste pas manger de noix, c'est un truc comme ça, non? Ah ok, bon ça va ça. De base, qui mange des noix? Putain, mais il dit... Ça devrait être entendu. J'entends No Nut November, je me dis, c'est des mecs qui font... Les noix, c'est dégueulasse, Mehdi. C'est la pire chose qui existe, l'une des pires. Sérieux, mec? C'est bon. Mais les noix, c'est ignoble, hein. Mais t'es sérieux? Je sais pas comment. Tu manges ça, vraiment? T'avais pas de goût. Bah, c'est bien, les noix. Regardez mon fou steelbook. Tu vois, Pokéa, il comprend aussi. C'est pas manger de noix en novembre. Merde, je peux pas le faire. C'est un steelbook fluorescent. C'est pas manger de noix en novembre, mais c'est pas manger de noix le reste de l'année non plus. Donc c'est quand même. C'est ça la philosophie. Sur le 9 septembre. Quoi? Je sais pas, c'est lui qui dit ça. Je sais pas. Bah, tu feras gaffe, Zodiac. Et si on parle de P5R? Non, alors. Non, évite parce que. Hein, voilà. Il est très très cool, Luigi. Très agréablement surpris par le contenu. Genre, il y a beaucoup de choses à faire. Il m'a hypé le trailer. Ah oui, du coup, c'est vrai, Moquette, nous on n'a pas eu trop ton avis là-dessus. Peux-tu nous parler plus en détail du jeu fait Si, je l'ai dit, mais comme d'habitude. Comme d'habitude, tu me lis pas, moi. Mais si, non, mais moi, tu m'ignores, tu ne me regardes plus. Mais j'en ai pas dit beaucoup. Tu ne me regardes. J'accuse, Chabir. J'accuse. Tu ne me regardes plus. Tu ne me regardes plus. Tête, Pokéaya, je te mitraille déjà une seconde. Quoi? Mais calme-toi. Mais commence pas, qu'est-ce qu'il a fait? Pokéaya? Il a dit P5R. Et P5R, dans un message, ça mérite un ban chez lui. Non, du coup, non, attendez. Pour répondre à J, du coup, moi, j'ai pas fait le 2. Ce qui fait que je n'arrive pas à voir quel changement déjà il y avait eu dans le 2. Parce que, enfin, en tout cas, tu passes du 1 au 3, ça n'a absolument rien à voir. Du coup, je ne sais pas si c'est vraiment le jeu qui a fait un putain de bond en avant ou si le 2 avait commencé à mettre des trucs. Est-ce que le 2 était naze? Bah, j'ai pas eu beaucoup de bons retours sur le 2, donc je sais pas. Le 2 était un peu obscur. Hein. Mais genre, le 3, déjà, on commence avec. Un chien fantôme et du coup j'ai demandé à une pote Lucie et du coup elle m'a dit enfin parce qu'elle a fait le 2 et je lui dis est-ce qu'il y a un chien dans le 2, elle me fait oui je te demande ah ok c'est pour ça et je comprenais pas quoi mais il est trop mignon et du coup ouais, y a plein de choses à faire, il y a plein d'interactions, enfin c'est je m'amuse, c'est juste un monde en fait, c'est un très grand hôtel hein, vraiment On peut pas s'ennuyer. Il y a quelques trucs du 2, mais ils ont bien fait cette fois. Ah, ok. Bah, peut-être les fantômes, ils ressemblent un peu plus au 2, parce que, ouais, niveau DA, par rapport au 1, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même chose, oui. Mais il me semble, ouais, qu'ils ressemblent un peu plus à ceux du 2. Mais c'est bien plus cute, ce nouveau design, quoi. C'est du 1. C'est pas fait pour être creepy, c'est vraiment fait pour être cute. Mmh. Voilà, un bon sujet, La soirée d'Halloween, que avez-vous fait? Ah, c'est vrai ça. Qu'avez-vous fait? Pourquoi tu mets l'OST d'Atem, toi? D'accord. Moi, j'ai pas mis le bot, hein, donc. Bah, moi, j'ai fait. Moi, j'ai regardé Dragon 3 avec ma sœur. Alors, c'est pas du tout un film d'Halloween, hein, j'entends bien. Pas trop, non. et après, on a joué à Luigi's Mansion. Parce qu'il y a un mode multi. Et oui, les potes, hein, ça vous étonne. Moi je faisais des duels avec mon frère. Moi, j'ai regardé des films avec mes potes. Tes potes américains. C'est nous tes potes. Fin... Avec tes potes américains, non, c'est ça pas... Oui. Oh putain, c'est vrai. Ouais, et après, tous t'étonner quand on ne te parle pas. Super. Non, mais. Non, moi, ce que j'ai à dire, c'est que hier, j'ai joué à Little Nightmares avec Flav qui est venu. Ah oui. C'était sympathique. Je vois ce que c'est. Mais c'est terrible hein, parce que. Je vais pas fou, mais. Tu sais, Halloween, c'est censé pleurer. Mais du coup, Dragon 3 nous a mis dans le bad et nous a pas du tout fait peur. Enfin, c'était très bizarre. Genre, on n'a pas du tout suivi le délire de la fête, qu'on n'a pas compris, en fait, je pense. C'est triste, Dragon. Qu'est-ce que c'est? Moi, je connais pas. Mais c'est trop bien, Dragon. Mais c'est à l'époque viking, en gros, et. Vinland Saga? Oui, un peu, quelque part.
Du coup, ils combattent les dragons et tout, mais je peux pas en dire plus si tu connais pas, parce que je pourrais très vite te spoil. Mais je te conseille de mater le 1 pour voir. Le 1, il est bien. Bon, bah, faut juste les mater, oui. Askif, c'est une série qui a de la qualité dans les 3 épisodes. Oui. Ah oui, oui. Et c'est de mieux en mieux, en fait. Moi, j'ai vu que le 1, et j'ai bien aimé le 1. Ah, le 1, il est très bien. Le 2, il est très, très, très bien. Et le 3, c'est petite perle. Dragon, c'est l'une des meilleures licences DreamWorks. Ouais, ouais. C'est ça qui est une série. Ton comparatif avec les très bien petites permailles et tout, okay, ça me fait penser étrangement à un anime que j'aime beaucoup qui s'appelle Yu-Gi-Oh! GX par exemple. Bon, quoi, bon. Mais quel est le rapport? Mais bah, ça, non, mais bah, il trouve toujours un moyen, Moquette. Je le traite de la même façon. Toute sa vie. Je GX, le traite de la même façon. Que le premier épisode, ils ont amené Yugi pour ce qu'il fallait. Ouais, dans l'épisode 30 aussi, et puis dans l'épisode 180 aussi, ouais. Ouais, il est toujours là, Yugi, ouais. Ouais. C'est vrai qu'il y a et que maintenant ils ramènent les frères Paradox. Hein. Et est-ce qu'il y a des gens dans le est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui ont regardé l'animé Dragon et du coup ça passe enfin je suppose que ça se passe entre le l'animé Dragon, je l'ai vu aussi un peu, je sais pas quand ça se passe. Un animé Dragon Pogger. Ouais, sur Netflix, j'ai vu ça. Ça spoil. Du coup, on voit dans l'épisode 1, ça va. Mais là pour l'instant là, pour l'instant, il me faut une petite pause. Je peux pas me replonger dans Dragon tout de suite. Hein. Je peux vous dire que... Prendre du recul, là. Bon, toi qui es grand fan de Donald Renew... Moi, oui. Non. Ah, le meilleur. Donald Renew est le personnage principal de Dragon. Oui, oui, c'est vrai. Oh la vache. Ça, c'est un critère. Non, putain, mais... Et lui, ah, bah, oui. Mais t'as jamais vu de reportage de Donald Renew quand il double et tout, enfin... Enfin, animé pour la, ou dessin pour la sortie, animé, pour la sortie du 3, il faisait plein de promos. Ah, je t'avoue que non, à l'époque je le suivais pas. Donc, ouais, ça va aller, mon j'étais grand. Fan, mais je savais pas du tout qu'il avait je suis là, mon réseaux grand. Sociaux. Ah, si, bon. Si. Animé ou dessin animé, c'est pareil, moi, si je joue cool. Moi, ce qui me tue, mais dis, c'est que dans le bot, là, t'as mis l'Ouest et la Thème, par contre, les autres protagonistes, on s'en bat les couilles. Et ça, je le prends très mal. Je comptais mettre chacun, mais bon, c'est comme. Ah, j'ai rien dit. Non, maintenant que tu me parles, bah, je vais juste mettre un thème. Je vais sauter GX. Yes. Oh, c'est pas le meilleur, je m'en fous. Bah, alors je vais le mettre. Bah, très bien. Comme ça, j'ai mon compte. Dans tous les cas, ouais. Je te baise. Bah, dis donc. Non, mais ce que je veux dire, c'est. Non, mais moi, je vois très bien ce que tu veux dire. Oui. Moi, j'ai pas mis votre bot, donc. Votre bot. Oui, mais parce que vous enjaillez tous sur la musique là, mais nous on l'entend pas, donc. J'ai peur que ça fasse trop de bordel. Putain, il me casse les dents. Bah. Non, un mec que j'affronte, c'est juste un connard en fait. Et moi, j'aime pas les connards. Waouh. C'est pas très bien ça. Moi, les connards, je les jette par la fenêtre, quoi. Voilà. Ça, là, il y a tout le monde sauf le mec de non. Yusaku, voilà. Ouais, sauf le connard. Ouais. Oh, c'est dommage parce que son thème, il est. Son thème, c'est du. J'allais dire, tu kifferais son thème en plus, hein. Mais je l'ai pas déjà entendu en ce moment. Si, probablement, mais tu l'as... Oui. T'as pas dû faire gaffe quel c'était. Mais... Oui, non. Tu sais que je me souviens même pas c'est quoi le thème de Yuya. Peut-être de quoi s'agit-il, Roji? Pourquoi est-ce qu'on m'ignore de minuscule? Ah, j'ai pas vu. Tu parles? Ok, toi, tu feras un live sur Luigi's Mansion 3. Ah, pour l'instant, c'est pas prévu, non? Peut-être une vidéo, mais pas forcément en live, je sais pas. Joey Kun, il demande si le logo il est nouveau ou s'il a du retard. Ah oui, non, oui. C'est un repose. Tu sais, c'est un dessous de verre et tout que m'a gentiment fait Keshira. Voilà, je sais pas pourquoi. Elle m'a envoyé ça. J'étais trop content, du coup, je l'ai mis sur le layout. Tout simplement. Faut aller voir, ça, faut aller voir le café précédent on pour comprendre du juste après les autres, l'histoire. C'est simple que ça. Du coup, moi j'ai commencé ça en manga tout mignon et drôle pour Halloween, ça s'appelle l'imprimerie des sorcières. Ah oui, je vois ce que c'est. J'avais vu à un moment chez Qu'est-ce que c'est que ce speech? Raconte-nous ton histoire. Ce speech.
Raconte-nous ton histoire. La princesse Peach. Oh la vache. Le thème de Jaden. Ouais, ça fait quelque chose quand même. Putain, mais... Il est pas en VF, non? Non. Non, en VF, il a son propre thème qui est bien évidemment mieux que celui-ci, mais bon. Bon. Bon, celui-là est quand même assez cultissime. Non, GX, jamais. Putain, mais... Jamais de la vie. Bon, d'accord. Il y a des choses qui sont agréables à sucer, et je ne parle pas forcément de sucette. Bon. Après, allez dire ça à des gens comme Jabir qui, bon... Quoi? Ah, Majora's Mask, c'est... pour Halloween, j'avoue que ça doit être Poggers. La fan de la jaquette flottante. La jaquette flottante. On dirait un putain de truc marketing. Ah, pour c'est ce nouveau tome de Gintama avec sa jaquette flottante. Ah... Gintama? Allô? Gaitama Poggers. J'en supplie, regardez Gintama, les gars. T'as vu ou pas, Jabir, ils vont ressortir Shaman King, Kana. Ouais, j'ai vu. Putain, c'est, j'ai envie de m'y mettre. En plus, ils sont forts parce qu'ils sortent... Ils sortent le tome 1 et le 17 en même temps pour... C'était ça, vrai. Ah, c'était trop stylé. Ouais, je suis un jour. Oui. C'est trop pété. Putain, mais moi, t'as jamais vu Shaman King? Non. Ah putain, c'est trop bien Shaman King, c'est un truc de taré. C'est tout mon enfance, mais c'est tellement stylé à regarder. C'est vrai, parce que quasiment à chaque fois que Javier te dit c'est trop stylé et tout, il va te dire c'est un truc de mon enfance quand même. Ah ouais. Oh le bâtard. Parce que je l'ai vu quand j'étais petit, du coup. Non, c'est pas méchant. Mais... Et oui, tu mettras 5D avec Javier. Avec quel enfer l'épisode de Pokémon Génération dans le vieux Château de Platine. Et il faut savoir que les persos de 5D ont un thème propre, enfin pour leur perso, et un thème spécial combat. Et là, c'est le thème Yusei de... C'est son thème de... Je me souviens plus de l'épisode du vieux Château de Platine. Oh, merde. C'est quand même... Mika va ouvrir une imprimante. Les moments épiques qu'il y a sur ce thème, c'est tellement violent. Une sœur pour rentrer chez elle. Ah. Après, on va avoir le thème de Yuma. J'espère qu'il est bien. Mon chaos. Le thème du Yuma, je me souviens même plus ce que c'est. Je vais m'en souvenir dès que je l'entends, mais là, de tête. Je me souviens. C'est vrai que t'avais proposé Shaman King. Ah, ça passait sur Jetix, Shaman King. Bah oui. Putain, je savais pas. J? Non, peut-être Jetix. Ah ben je sais parce que des fois je te tombais sur des épisodes mais j'ai jamais maté. Et de ce que je vois, ça a l'air dégueulasse. Je suis désolé, hein. Je suis pas le mec qui critique souvent les graphismes, mais là. C'est trop stylé, mal. Shaman King. Après je m'arrêterai pas à ça, tu vois, mais ça a l'air d'être Détective Conan sur 20 et je suis pas fan de ça. Moi. Shaman King, justement, pour en comparer aux premières saisons de Détective Conan, c'est plus propre. Peut-être. Faut dire que Yuma, c'est vraiment le chara-design. Hein. Je juge pas l'animation, mais c'est le chara-design et j'ai du mal. Yuma, c'est vraiment plat. Celui de design que j'aime pas du tout. Tous les autres, j'aime bien. Personne n'aime Yuma. Hein. Personne n'aime le design de Yuma, Yuya et de Playmaker. Donc, Yuya, ça va. Playmaker, je sais pas comment il est, mais... Playmaker est dégueulasse. Yusaku est stylé, mais Playmaker est dégueulasse. Et ça avait fait à moitié un buzz à l'époque parce que tout le monde se disait putain, mais pourquoi c'est cette forme là qu'on verra le plus? Quel enfer! Et c'était vraiment le cas puisqu'il y a Red, on le voit quasiment jamais, mais c'est quoi. Alors, l'épisode du château, t'as la meuf que tu croises dans la forêt de Platine avec son Levenard qui explore le château, ils sont acquis par un major. Ah oui, ça y est, ça je me souviens. Ah oui, c'est ça son thème! Non. C'est un thème qui ira à Yuya, je crois. Alors je fais jamais ça. Tu entends un petit Ladies and Gentlemen là derrière? Non, tu verras que le thème de Yuya, tu l'entends vraiment. Un petit thème de Mario Galaxy là. C'est vrai que ça fait un peu Galaxy par contre. Ah, la vache! Mais arrêtez de parler du thème, putain, ils entendent pas. Bah, faut que t'as qu'à mettre le. Mais je vais pas mettre le bot. Pourquoi pas? Tu fais une OST de fou. Pourquoi pas, Avocat? Mais non, parce que après ça va être chiant si jamais on vous entend mal et bah, et si jamais il y a un truc qui passe pas là... Comment? Non, j'ai pas mis de musique. Ah. Ah bah alors oui, c'est fait. Ce maker il passe en vrai, monsieur, à l'intérieur, celui du Saku, ouais. On a du silence. Ouais, non, essaie de... Bah après tu mets le son à deux, tu vois, genre ça fait juste une petite musique de fond. Oui, voilà. Ça peut être plus ambianceux.
On va pas mettre de musique même ou quoi. Hein, genre... Et tu verras que le thème de Ouya correspond beaucoup mieux que celui-là. Mais celui-là va pas trop avec Ouya. Bah je verrai, je me souviens plus du thème de Ouya, je pense que j'entendrai les premières notes, je m'en souviendrai, tu vois. Par contre, je me souviens du thème de Reiji. Reiji Gigas. C'est dur de pas se souvenir du thème de Reiji aussi. Et après, on se fait baiser la VOD. Ah, mais... C'est pas faux. C'est vrai qu'il peut y avoir une histoire de VOD. Bah oui. Après, les thèmes du Yu-Gi-Oh, ça va, c'est safe. Je spoil, ça va. Mettre du Taylor Swift. Tu l'aimes pas trop fort. Du Taylor Swift. Non, mais c'est juste si vous commencez à mettre de la merde, fais attention. Non, mais non. Respecte-nous quand même. Ça, c'est en vrai. Je sais pas. Moi, je me souviens, je m'étais fait. Je m'étais quoi? Je m'étais fait ban ou un truc comme ça à cause d'une OST de Sonic que Jabir m'avait filé. Sonic, mec. Sonic aussi. Ah oui, le jeu, pas l'animé, parce que... Oui, oui, le jeu. Non, ça sera que des musiques de Yu-Gi-Oh! Si tu veux, on met des musiques libres de droit. La seule que j'ai du tout, ouais. Ça doit être... Mais il y a des bonnes musiques libres de droit, en plus. Il y a des bonnes musiques libres de droit. Ça existe. Surtout ce qu'on était des personnes Jaden un peu moins. C'est vrai que Jaden... C'est dommage. Ouais, j'attends. Bon. Allez, c'est la fin. Yuma, il est interminable. C'est fini. Et là, c'était lui. Ah c'est oui, ça. Ouais, si, c'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est vrai que ça lui va. Non, je le vois là, tu sais, mais à chaque fois que j'entends ce thème, je me sais, tu le vois, le Ladies and Gentlemen. Moi, je vois pas du tout. Tout est noir et tout. Comment ça te matrixer avec tous ces... Moi je vois pas du tout. Moi je vois un chevalier qui lance un combat contre des petits dinosaures dans une grande plaine. Oula ouais, non mais en vrai quand tu connais Yuya ça passe. Ah, moi je pense juste à un JRPG. Ouais non, quand t'entends cette OST t'es là, ok. Ladies and gentlemen. Moi je l'entends hurler Ladies and Gentlemen parce qu'il a pris l'action card qui lui fait oui. C'est des ambiances, tu parlais de... Oula, aucune fusion de son cul et puis il gagne, tu vois. Quoi? Ça suffit. C'est vrai, je suis désolé. Attends, c'est les meilleurs passages. Ok, te monte le son. Pardon. Putain, mais... écoute. Monte-le toi, le son. T'es mort. C'est toi, arrêtez. C'est vous, arrêtez. Fais-moi des enfants Kensho Ono. Quoi? Bah, je sais pas, c'est ce qu'ils disent, pas moi. C'est tellement la meilleure OST des protags, putain. Mais calme-toi, ouais, calme-toi. Tu es stressé là. Moi je comprends plus. Moi, elle tu connais est, pas, je pense à un thème de combat de JRPG random. Ce serait très chiant. Ah, c'est ce que je viens de dire, oui, exactement. On est d'accord. Ouais. Moi je trouve que c'est l'OST qui va le mieux à un protag. Moi je vois les petits dinosaures, tu vois là, les petits sbires de merde. Zelda thème, mec. Zelda thème, je trouve qu'elle fait trop. Je trouve qu'elle va pas. Non, vous mentez. Tu mettrais Atem. Ça fait un peu. 5 exclu, d'accord. Tu sais, avec des graphismes un peu Dragon Quest là, tu vois. Ah. C'est vrai que par contre. Moi je pense à ça. Ouais, Chrono Trigger. Ça a des graphismes Dragon Quest, techniquement, c'est Toriyama. Ah. Oh, j'ai reçu une photo. Attendez, j'ai peur. J'ai reçu une photo de Greg et en général, c'est pas bon signe. Bon, putain, mais quel enfer! En général, quand je reçois des trucs de Greg, c'est un peu chaud. C'est des choses qu'on peut pas montrer à la caméra. Attends, quoi? Ouais, enfin. Attends, quoi? Ah oui, ok, ouais, ok. En vrai, c'est pas drôle, mais c'est intéressant. Attendez, je la mets en vrai. C'est pas drôle, mais c'est intéressant. Non, mais en soi, c'est. Enfin, genre. Moi, je le sais, du coup. Je suis pas en mode poggers, tu vois, mais moi, je le sais, donc. Il a juste mis un. Ça, c'est PM, poggers. C'est un comparatif en fait des chemins qu'ont parcouru Bilbon dans Le Hobbit et Frodon et Sam en... Oh. C'est tout. Mais oui, enfin, c'est pas nouveau quoi. Le Hobbit, c'est pas assez court quoi. Enfin, c'est pas loin. Putain, mais...
C'est ça le thème du Sakumedi. Oh non, vous avez... de mettre le thème de Kaiba. Vous avez pas idée de ce que m'envoie Greg, hein. C'est obscur. Hein. Pas idée du thème de Kaiba. Bonjour. Je sais pas le thème qu'il a, c'est je suis seul donc. Ah non, en vrai il en a un autre. C'est vrai, c'est vrai. Ah, bien sûr. Mais j'hésite à le mettre. Il a son OST de hack là, attends. Oui, celle-ci. Elle est craquée, il faut absolument mettre. Et je suis seul. PTDR, MDR. PTD LOL. Ah, il y a une version extensive. Non, oh, mec, 7 minutes de ça, c'est long. C'est dans 7 minutes, tu le vois. Et je suis seul. Et je suis seul pendant 7 minutes. Quel enfer! Bah, je sais pas. À quoi sert la vie quand on est d'Abi? C'est une chanson. C'est vrai qu'elle est un peu quelconque, je trouve. Les petites fléflées. Le début en fait est ça cool fait et. Méchant, là. Oui. J'avoue, bah, on dirait un mini boss là. Pas... À la base, c'est un vengeur. Le mec, il est pas sympa. Ouais. À la base, c'est plus un vengeur. Ouais, faut quand même. J'aime bien avec qui cette petite ambiance. Ça va bien avec le Seppu, ça. Là, j'imagine un combat avec un mec qui a des lunettes, tu vois, genre. Reggie. Qui a des lunettes. Non, mais qui a des lunettes qui font un peu casque, tu vois, qui prennent toute la partie de ouais, son front, ça tu va, vois. Quoi. Genre le mec un peu arrogant, un peu comme Eud dans XD, tu vois. Ouais, SAO, quoi. Quoi? Quoi? Ah oui, oui. C'est le casque vert de SAO. Ouais, un petit peu, ouais. Quel enfer. Je le vois tirer des rayons avec sa manche, tu vois, comme ça. Oh putain, fais 20 dégâts. C'est vrai, mais sache que c'est un petit peu ça, Vrains. Pas du tout. Quoi bon? Que veut dire surcoté? Quel enfer, Mehdi, tu non, vas alors, alors Mehdi, il y a deux secondes, t'as dit non, mais je vais pas non, te préoccuper. Non, c'est pas. Non, quoi non, qu'est-ce qu'il a fait de... Non, non, mais le thème de Giorno est bien. C'est pas un mème. L'image est drôle, mais on s'en fout, personne n'a vu. Ouais, bah l'image, c'est un problème. Ah non, oui. Mais disons, le titre, c'est. J'avoue, l'image, c'était. On dirait un. Ah oui, yes! On dirait un. Ah, c'est Kaiba! L'image. Bah oui, c'est Kaiba! Oh, je reconnais un truc que je reconnais! C'est Kaiba! Oh là là, l'atterrissage! Kaiba, il passe son temps à hacker aussi, donc. Non mais ça me tuait cette OST, le truc qui m'a tué c'était quand il était en train de hacker pendant le duel de Yugi contre un sbire. Et que genre il était en arrière-plan. Kaiba c'est un peu Watch Dogs. Pour aider à faire gagner Yugi je crois. C'est un peu... Ah oui tu parles de... Craqué cette OST. Tu parles de... sur l'île du... Oui, ouais, sur l'île de Pegasus, ouais. Oui, mais il faisait pas un duel, là. Il me tue parce qu'il y avait son pauvre lapin dégueulasse, là. Ah oui, c'est vrai. Non, oui, c'est Guy, le pauvre Roger Rabbit, mais en trop bizarre. Le lapin de Pegasus. Ça fait penser à Jurassic putain. Park avec... Vous n'avez pas le mot magique, ah. Non, putain. C'est pas le bon. Pas le lapin me faisait penser à Roger Rabbit, mais en trop bizarre, c'était plutôt drôle. C'est vrai. Ah. Oui, ça, c'est contre le fantôme. T'avais pas dit le mot magique. Ah. Bon. Bah quoi, c'est pas ma faute. Oh bon, Kaiba, t'arrêtes de hacker là. Oh là là, ce thème. C'est des souvenirs. Kaiba. Mais est-ce que cette OST c'est une OST officielle ou c'est juste je vais dire ça vient de la dub ou de la version originelle. Je sais pas. Attends, qu'à regarder en vidéo. Ça sonne très dub hein, je vais pas te mentir. Ça sonne très dub ouais. Bah si vous non mais si la connaît en VF c'est que c'est dub. Ouais probablement.
Oh, c'est bon. Kaiba, ah. Kaiba, j'en peux plus. Yugi Boy. Non, je la semaine prochaine c'est enfin demain c'est manga manga nomi à jouer cool. Du coup, il y a moyen que ce soit le week-end prochain. Allô. Allô. Ouais, j'étais pas là. Il a profité pour skipper le bâtard. Là. Bah, ça faisait 3 fois une quelques fois. 7 minutes, t'es ouf, quoi. Ouais, c'était déjà sur son 3ème. On n'en peut plus, quoi, comment dire que. On peut pas les coller. Par contre, on se demandait, c'est une OST de la dub, ça, on est d'accord. Bah oui. Par conséquent, de la VF. De la VA, je crois tout, mais oui. Parce que la VF, bah, ils ont pas d'OST pour eux. Mais non. Oui. Ah, par contre, c'est Strike, hein. Quoi? Non. Ah si, non, Chrono mais... Strike. Quoi? Ah non, c'est Chrono Cross, c'est pas Chrono Trigger. Non, Chrono Cross. Bah, c'est Strike. C'est Strike. Ce jeu de merde avec des bonnes musiques, putain. Ça, qu'est-ce ça dégage, hein. Jeu de merde avec des bonnes musiques, okay. Oh, y'en a plein. Moquette, le CSA a plu, faut mais couper. Chrono Cross, c'est abusé. Le CSA! Le CSA! Mec, il prend sur leur tête! Chrono Trigger, on peut mettre des musiques, ils en auront rien à foutre. Tu devrais refaire un jour un top ça. Ouais, c'est ce que... Mais j'avais pensé, je sais plus quel soir, je voulais faire un tier list de je sais plus quoi. Je voulais qu'on s'amuse à faire des tier list, mais on avait fait autre chose à la place. Oula, oh là, les tier list. Tier list des persos de Pokémon y animés. De quoi tier list de quoi? Tier list des persos de l'animé Pokémon, des main characters. Ah... Bah écoute, tu me le trouves, je le fais. Ouais, déjà il y a. Mais je crois que je l'avais déjà fait. Tier Maker. Ah mais on l'a déjà fait 3 fois. Ah oui, voilà, on l'avait fait, je crois. Bah attends. Ouais, tier. Maintenant que Solemon est fini. Bah, Mané, top 1. Non, bon, non. Putain, non, il meurt lui. Je pense qu'il faut en finir. Le boss. Faut juste en finir. Tier list template, attends. Caractère machin. Il a un développement quand même. Non. Prends si possible avec Sun Sun et Moon, moquette comme ça. On ah ouais, mais je sais pas, moi, comment ça me casser. C'est le mec qui s'est en retour. Alors, justement. En fait. Alors, il y a Mainline Games. Oh, c'est stylé ça en vrai. Il y a Starter Final Form. Ouais, ça, faut faire un gap. Poké Waifu. Ouais, on s'en bat les couilles. Oh oh. Allez, hé, allez. Non, fais gaffe, peut y avoir celle de la 8G. Hein. Ça pour ce. Fais gaffe. Ah, ouais, pas faux. Pas faux. Ah, anime c'est protagoniste, que... c'est peut-être ça. Avec un ouais, avec une miniature de Mamané quand même, ça doit être bon. Vas-y, non, vas-y. Bon, putain. C'est vendeur. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Tu le mets sur ton live et c'est le sujet de ce soir. Mais dans les protagonistes, il y aura pas que Cui du coup, il y aura pas Paul non plus. Il y aura que les Ouais, c'est que les. C'est que les Nakama de Sacha. Oh. On voit ça ici et on en parle. On voit ça sur débat Pokémon, comme ça les gens peuvent le faire aussi. Bah ouais, non, mais je cherche s'il n'y a pas avec les profs et tout, mais... Ah bah les profs, on sait tous que Forbes et Platane sont... Bah oui. Mais moi je veux pas Forbes, pas Platane. Bah Platane. Non. Pense pas que le Platane est juste, s'il te plaît. Shen, Orm. Ah mais après, oui, si tu parles de l'anime, je sais pas comment il est Platane dans l'anime. Le Platane dans le jeu. Mais quel homme. Il y a pas de putain, il y a pas de truc là-dedans, ça me casse les reins. Aucune vanne ici, Média. Finir. Allez dans quoi. De Pokémon, quel est pour vous le meilleur type, peu importe que ce soit pour l'attaque ou la défense? JSP. Quoi? Métal. Ah si, je veux dire. Moi, je dirais le feu. Ah, si, oh, il y a antagoniste aussi. Oh, ça, c'est Pogger, ça aussi. Antagoniste. Bon, attends, on va faire les. Protagoniste du coup. On ne se dit pas nos avis, mais on se les partage tous en même temps. Envoie ça sur débat Pokémon. Je te fais ça avec plaisir. Alors attendez. On ne se dit pas nos avis. Hein. Soyons. Bah moi je suis obligé de le dire un peu parce que je fais en live. Non mais toi tu devrais mettre. Tu peux le faire, Moquette. Tu peux le faire et ensuite une fois qu'on l'a tous fini. Ah mais il y a tous les Sacha de toutes les générations. Putain, il y a Jackie, what the fuck. Bah oui, Jackie. J'ai pas besoin d'avoir tous les Sacha.
Mais Jackie, ouais, si, c'est la base. Pourtant, t'es le premier à les différencier tous. Hein. J'ai pas besoin de faire tous les Sacha. Il y a que celui de 6G qui est chiant. Bah, c'est pas les mêmes, ouais, connard. Bah, oh. Bon, en tout cas, Trash, c'est pas très dur. On peut tous les autres, c'est oui, bon. Trash, bon. Ouais, vous serez surpris, vous serez surpris. Attends, il est où, Mamané? Mamané, il est pas trop. Ça m'avait gardé celui que j'avais fait de base. Max, hop. Iris, hop. Alors. Ça, putain, ils ont mis le pierre. Ah, mais ils ont mis deux pierres. Mais putain, il y a trop de pierres. Oh, il y a l'univers des pierres. Il hein. Bah, y a pierre âgée, pierre d'épée. Pour dire, c'est ça le problème, c'est je sais pas lesquels sont qui. Genre, je reconnais pas. Non, en vrai, prenez-en un de chaque, c'est tout. Ouais, mais c'est pas. Chasse. Ouais, en vrai, on va juste prendre un de chaque. Pour le jeu, prenez-en un de chaque. Le caca. Après, oui, tu vois, oui, ouais, oui. Je vais me baser un peu sur les jeux, moi, parce que je connais pas les persos de l'anime. Celui de la 6G, il est en D, il est pas en trash, mais il est chiant. On a dit qu'un seul, Javier. Non, mais y'a que le Sachel, mais la 6G, les autres, je m'en fous. Y'a Flora avec bandana rouge et Flora avec bandana bah oui. Vert. Bah oui, les deux sont S. Donc ah, les deux. Non. Si. Oh, attends, Flora, calme-toi. Flora bandana vert, c'est pas Girls. Flora bandana rouge au début, c'est un peu chiant. Il faut pas gaffe par contre, hein, parce qu'on a deux à s'embrouiller. Putain, mais. Alors, je veux dire, c'est la vie, c'est l'histoire de la vie, c'est la vie. la vie. Putain, la vie. Moi, je vois le caca, je vois le perso. C'est vrai que la vie, ça dépend. Bah, là, c'est plus l'animé, tu vois. Il est où, Kaki ? Moi, je connais pas trop l'animé. Ah, yeah. Enfin, en fonction un peu du jeu, quand même. Kaki. Bon. Alors, moi. Hop. Voilà. Moi, mes noms de catégorie, c'est l'histoire de la vie, c'est la vie, la maladie, la mort, le caca. Voilà. Bon, putain, mais là. Ça va, si t'es genre dans la mort, t'es safe, mais si t'es dans le caca, c'est la fin. Bah, je préfère putain, être mort mais... que dans le caca, hein, si tu m'excuseras. Putain, mais... Bah oui. Moi, c'est bon, je upload. Alors, attendez. Moi, c'est bon, Sacha 6G, il est... Oui. Bah, sinon, c'est trop dur. Putain, mais... Arrêtez. Non, c'est super facile. Ouais, oui. La mort, pour Pierre, c'est voilà. La vie. Attendez, vous voyez pas la capture d'écran comme il faut. Mais que genre on dit les pierres, je vois pas pourquoi tu les mettrais en 2-3 fois, parce que ça sert à rien, ils sont toujours les mêmes. Mais non, ils sont pas tout le temps les mêmes, putain. Et je vais m'énerver. J'ai fini et c'est posté. J'en ai marre de pas réussir à prendre un screen convenable, voilà. Quitton, on se fait chier, hein. Serena, on se fait chier. Hein. C'est toi qui me fait chier, putain. Quoi ? Alors, Jackie. Oh, Jackie, c'est un peu la maladie aussi, quand même. Iris, c'est le caca. Jackie, c'est mitière, hein. Ondine. Ah ouais, alors attendez, parce que c'est pas les mêmes, hein. C'est vraiment pas les mêmes. Est-ce qu'on est en live ? Serena dans la même catégorie que Mao, ça je tue les gens. Normalement on est en live, là c'est bon. Serena, what the fuck ? Ah, désolé, ça a bugué les potes. Je peux pas check, moi, c'est plutôt compliqué. Serena dans la catégorie de Mao, je peux pas. Non, catégorie de Mao, c'est compliqué. Max, elle est mort, il est complètement mort à l'intérieur. Parce que disons que Serena... Max, on se fait très... Disons que Serena, elle a un problème avec sa mère. Disons que Mao, elle a un vrai problème avec sa mère, en fait. Donc C'est vrai, Mao. Serena, elle a un problème entre gros guillemets avec sa mère. Mao, sa mère est morte. Avec sa mère comme une ado. Mao, elle regrette toute sa vie à cause de sa mère. Donc. Arrêtez. Ok, t'es bien sur 13 et. Il a fait juste le reverse. Quoi? Quelle horreur, mais qu'est-ce que. Il a juste fait le reverse. Ou alors tout est trash sauf les pires. Les pires, c'est les meilleurs. Maté Bob. Attendez, Bob, j'ai pas vu ce qu'il a fait. Les seules opinions qu'il connaissent. Le Miss.
Non, je vois pas. Je fais le mien parce que c'est déjà compliqué. Mais oui, elle est morte, Serena, à l'intérieur. Elle est complètement bizarre. Pourquoi hein. Oui, non, c'est sûr. Les gens, il faut arrêter d'écrire Sacha alors, avec un S. Autant la Serena cheveux longs, elle est juste malade, autant l'autre, elle est morte. Hein, c'est tout, il n'y a pas de... Ouais. Quand elle a les cheveux longs, elle est développée, et quand elle se coupe les cheveux, elle coupe son développement, en fait. C'est aussi simple. Putain, mais quel enfer. Non, bah oui. quand elle coupe ses cheveux, mais elle est morte. Mais c'est un fait, ça chatouille. Putain, mais... Oh, le con. Oh, c'est hilarant, non c'est hilarant ce qui se passe, on fait une pause. Bon. Oh, Pierre, ça, c'est... Comment ça, Hiro, elle te trouve le cul, et oh... Ouais, regarde pas l'animé, ça. Hirogi, regarde pas l'animé, c'est cramé. Mao qui casse le cul, La mort... la vie... bon, c'est vrai que les deux... Pocket, peut-être. Les deux, c'est les mêmes, hein. Donc je vais mettre ça. Voilà, les deux, c'est les mêmes. Lilié, c'est D, un petit D quand même. Quoi ? Non, bon. Non, Lilié, c'est S. Oh, aucune embrouille, je vois pas de quoi tu parles. Je vais la mettre. Lilié, c'est mid. Bon, Lilié, c'est S, c'est tout. Ah, c'est tout, c'est tout. Ouais, bah écoute, c'est comme ça. Il est con. Moi, je comprends pas comment un top ne peut pas contenir au moins Flora, Terre et Sacha. Je comprends pas. Alors, elle est morte. Mais bon, je vois que dans beaucoup de elle tops, il y a morte. Au moins Flora et Pierre, et ça, ça fait plaisir. Elle, c'est la vie. C'est la vie. Flora, elle est un peu malade hein, quand elle est. Putain, mais. Parle bien, ça va. Elle est un peu malade, Flora. Moquette, pantalon rouge, ça va jusqu'à. Mais oui, c'est ça le problème. Il devrait la séparer. Surtout qu'ils ont. On dirait un screen du film neuf, là, c'est terrible. Du coup, oui, moi oui, je. C'est un screen du film neuf, c'est le screen de Manafi. Hein, quand elle tire. Bah voilà, bon, ok, je vais mettre c'est la vie. Parce que... Mais on va dire que. Parce que Serena, elle est. Serena, Flora, elle est. Battle Frontière et tout. C'est bien. Mec, il y a qu'une saison où elle est chiante, Flora. Sur 4. Non, il y en a d'autres, Tu te fous de moi ? T'es en train de me dire que... Il y en a une et... au moins une et demie. Mec, quand elle se fait matrixer 6 fois par le mec Cacturne, là, c'est pas une mais saison, c'est ça. Mais c'est Harley, ça, c'est pas une saison, ça. Non, mais c'est mec... Harley, non, mais elle est insupportable à se confier tout le temps à Harley alors qu'il la mindfuck oui, tout le temps. Oui, et pourtant, tu sens oublier les épisodes où, par exemple, elle a bu bizarre. Un merveilleux épisode. C'est vraiment les épisodes où il y a Drew qui est le mindfuck aussi. Mais c'est quoi ça, Ondine avec les... Oui, ok, je vois ce que c'est, mais... C'est quoi ça, Ondine ? Ça, je sais pas. Ondine, c'est saison 7, c'est saison 7. Non, mais oui, je sais, mais elle est quasiment... Oh non, c'est vrai qu'elle est pas trop pareille. Ok, le paradis... Oh, mais elles sont toutes pareilles, Ondine, arrête. Non, Ondine, paradis de Togepi, c'est top. C'est vrai. C'est vrai, putain, qu'elle s'est séparée de Togepi. Ah ouais, mec, c'est vrai, putain. Non, mais en vrai, c'est horrible parce que, genre, saison 6, il se sépare de Smogogo et Arbok. Ouais, saison 7, c'est la fin de Togepi. C'est horrible. Pikachu qui est là et qui dit pipipi. Pourquoi Harley déteste. Oh non, arrête. Pourquoi Harley déteste Flora? Parce que Harley. Voilà, j'ai fini mon top. C'est la raison. Pourquoi Harley déteste Flora? Parce que Harley. Pourquoi il n'y a pas la Ondine de Kanto? Non, parce qu'il y a une histoire à la. Mais si, elle est là, elle est là, celle de Kanto Johto. Elle est dans C'est la vie, tu sais pas regarder. Ouais, une petite histoire humiliante. Hein. C'est pas une meuf qui lui ressemble de ouf, mais c'est pas elle. Ou alors Florent n'en a pas souvenir, mais ouais. Non, je crois que c'est une meuf qui lui ressemble de ouf, mais c'est pas elle. Je vais mettre. Ah oui, c'est vrai. Un autre tiers peut-être? Un jour. Oh putain, Harley quoi, c'est vrai. Attendez, je mets LOL. Ah voilà. Mais dis un autre tier peut-être. Un autre tier. Une autre tier liste peut-être. Perso, je reconnais pas les pierres à part le dernier bien sûr. Laisse le temps de celle-ci de passer, tu vois. Sacha 6G mérite d'être aussi bas. Mais il est malade. Enfin, il est. Et c'est pas la mort, hein, mais je dis juste qu'il est malade pour moi. Il est trop. Ouais, c'est compliqué.
C'est l'histoire de la vie. Oh là là, le top 1 moquette, c'est le plaisir. Ouais, d'accord, putain. Non, par contre, il a mis plusieurs Sacha et ça c'est. Bah oui, parce qu'ils sont pas pareils. Par contre, c'est nul qu'il n'y ait pas Jesse James, parce que j'aurais mis James en histoire de la vie. Moi, tu vois, ils auraient mis sur l'image, dans les images, ils auraient mis celui d'Alola qui porte le trophée, ça aurait été top tier. Bon, ça suffit. Putain, non, mais... Les images pas du tout biaisées, tu vois. Putain, mais la pauvre, t'as vu la photo de Kaki Oh, le muscle. La pauvre quoi? La pauvre photo de Kaki, moquette. Ah bah oui. Bah écoute, il est là. Hein. Kaki, putain, il va me manquer ce con. Kaki. Ah bah Kaki, ouais, adieu. Moquette, c'est la vie. Ah. Aurore, putain, Aurore. Aurore là, aussi, j'ai envie d'en trouver une de Yu-Gi-Oh! DM parce que. Oh non! Ah, DM! DM, ouais. DM. Ouais. DM! Bah DM, y'a pas. Non, mais c'est... Enfin, y a pas... c'est quoi ça? Ouais, ouais. Y'a pas grand chose. Ouais. Hein. Bah, DM, ouais, moi, DM, il y a la masse de perso. Hein. Non, mais je veux dire de perso bien. Enfin, je veux dire. Ça, c'est autre chose après. Putain, quel enfant. Non, mais je veux dire, à mettre dans autant de catégories, c'est compliqué. Mais oui, si vous voulez. Ken ? Non, ça va, tu mets Maïsis entre Ashtier et le reste. Oh putain, mais. Si on fait un marathon Pokémon à l'époque, c'était bien, vous le rematez, vous ? Je sais pas, ça dépend quelle saison. Mehdi. De quoi ? Gocheck doit y en avoir un sur DM. Il me semble que j'en avais vu un à l'époque. Il tape Yu-Gi-Oh! Caractère, c'est tu vois. Yu-Gi-Oh! Damn! Non, mais en général, ils mettent justement tous les personnages. Ah, j'enlève le. Hop. Attends, je vais voir s'il y en a. Genre, ouais, là, je vois le mec. Je me souviens qu'il y en avait un pour les Pokémon de Sacha exclusivement, hein. C'était tellement dur comme top, c'était trop bien. Bonne nuit! Ah, les Pokémon de Sacha, t'as dit? Ouais, on l'avait fait, oui. Oui, je me souviens. Ah, Yu-Gi-Oh! Duel Monster Character. Ouais. Ah ouais, j'en avais déjà fait un. Hein. Pourquoi dans Wannabe Jaden, j'ai le mec de la saison 4? Putain, mais... Ouais, non, débat Yu-Gi-Oh! Mehdi, et poste-nous ce lien. Ouais, je vois. Fuck my ass. Je crois que je l'ai pas fait en plus. J'aime bien ma tier list parce que beaucoup de mecs, je me dis pas qui c'est. Tu peux pas juste dire ça, moquette, c'est pas possible. Ah, qui l'avait fait ? Dans un putain de débat, fuck my ass. Fuck my ass ? Ah oui, y en a que j'ai pas mis. Non, mais y a des persos, please. Oh là là, mais y'en a trop. Y'en a trop, les persos. Des persos, je peux m'en passer, tu vois. Oh là là. Il y en a que j'ai pas mis, tu vois, mais... Comment il s'appelle le gros là? Lequel? Le gros de dans l'ancienne Égypte là, le génie là. Ah, Bobassa Poggers. Ah, Bobassa Estier. Oh non non non, lui c'est quoi? Oh, c'est bas lui, c'est. Quoi? Ok, toi et oh. Putain, mais oh, non, mais y'a des persos, Joseph tellement, je les ai oubliés quoi. Oh la vache, y'a. Ah, j'ai vu, putain. Mais c'est qui lui? Non, mais mec, y'a des persos. Ah si, c'est. Si, pas, si, c'est les 5 grands, oui, ça y est, j'ai reconnu. Oui, c'est les 5 grands. Oui, non, les 5 vieux, on s'en bat les couilles des 5 vieux. Bon alors. Non, mais c'est. Minoa, pourquoi ils ont Minoa dans le top quoi? Quel enfer. C'est pas vrai, j'ai pas zéro souvenir de Siegfried. Mais il y a trop de persos, non, en vrai c'est compliqué. Ah, Noah, un perso. Hein. Non, mais il y a trop de malgacherie dans ce poussin bordel. Ah, vous pouvez regarder. Ça va, ça va, t'en as pour 2 minutes, Javier. Pédale. Non, c'est chiant. Non, mais le mec, on lui met plus de 15 persos, c'est la fin du monde. Bah ouais, laissez-moi tranquille quoi. Vous avez vu l'image des frères Paradox? Non, j'ai pas. J'ai pas mis les yeux dessus. Il est où? J'ai pas mis les yeux dessous, ils sont où? Non, ah oui! Ils sont juste divisés! Ah oui! Ah là là! Oh, ils sont trop bien, c'est con! Putain, j'ai mis Gozaburo en A, what the fuck! Je crois que j'avais oublié où est-ce que j'ai mis Bobassa, mais il est là! Regarde! Gozaburo! Barbossa! Oh mais mec, y a même le gars de la pyramide de lumière du film quoi, qu'est-ce que tu vois, en vrai, ouais, mais lui encore ça allait, je crois. Y'a Barbossa. Non mais oui, mais genre il sert à rien. En vrai, la plupart des mecs, je les ai un peu foutus au coup. Oh le grand-père. Le premier.
Et Duke Devlin a son propre tir. Mon père. Ça suffit. Putain de Duke Devlin même. Duke Devlin a son propre tir. Je sais plus d'où ça vient ça. J'arrive plus à assimiler. Mais c'est dans Yu-Gi-Oh! Abridged. C'est vraiment son thème à lui quoi. Bah oui. Je peux pas l'assimiler à autre chose quoi. Oh fuck my ass. Alors je bon, mets bon, lui ici. Je vais mettre Continuer, on s'en fout. Karim, on s'en fout. Maï, pire ça. Eh oh, Marek. Yugi. Il est où, Marek? Ah, il y avait Bakura S. Ça reconnaît les bons persos. Il est où, Marek? Mais il y a trop de persos, putain. Bakura OZ, vu qu'il est jamais là. Bakuba. Première saison, c'est qui le gars aux cheveux blancs longs, là? C'est un autre Bakura? Quoi? Lequel? C'est Pegasus jaune, ça? Mais non, j'en sais rien. Lequel, le mec... Lequel tu parles, j'ai celui bien. Avec les cheveux longs blancs, là. Mais il y en a qu'un qu'on se truc là, donc... T'as manqué un non, mais celui qui est pas Pegasus et qui est pas... Mais il a quoi comme vêtement? Marek? Il a des vêtements de clodo. Non, mais... Bah, c'est vrai. Bah, je crois que tu parles... C'est pas un gars, c'est une meuf, c'est Kisara. Il est complètement ça peut être lui, non. Il est complètement con. Il connaît pas Kisara, hein. Allez, c'est fini. Il peut pas faire le rang. Non mais il y en a bon déjà les si, 5. Je connais Kisara mais je savais bah, c'est pas le type avec ce design. Les 5 grands ça va en D, hein, je vous le dis. Bah c'est son seul design en fait déjà. Non, c'est pas son seul design non. Non. Bah, les 5 grands, c'est quelque chose hein, tu te souviens bah, c'est... Non mais les 5 grands non, c'est bon quoi. Moi c'est bon, c'est mis. Non mais c'est mais il y en a trop putain. Voilà, Jaden, mais quel fils de pute! Ah non, mais je suis désolé, mais ils se ressemblent trop! Ouais, c'est mon mail. Putain. Yami Bakura en 1, vous faites plaisir, c'est le meilleur méchant du Guillaume. Non, par contre, Jayoube, il écrase au violon. Il se calme. Ouais, je dirais pas, mais elle est bien. I just want to get fucked. Bon, Rim! Ça putain de suffit, quoi! Franchement, mais... je dirais que Bakura de base. Il a un tir à lui tellement il sert à rien. Bah, j'ai hésité en plus, mais dis, tu vois, parce qu'il est tellement, jamais là que tout le monde s'en fout. J'avoue qu'il est jamais là. Par contre, t'es méchant avec Odion, je trouve. Ah, Odion, on s'en fout. Il est sympa, Odion. Bah, il est cool, Odion. Oui, Odion. Ah, mais oui. Il sert pas, enfin, genre. Et alors Odion. Odion, il se fait manipuler, hein. Ah non, c'est de son plein gré, hein. Odion, c'est fou de son plein gré qui subit Marek, hein. Mais il est pas très. Mais il y a pas cette place. Il est pas très pour les amis Marek, hein. Ah, il est pas pour, mais il lui obéit quand même, parce que bah. Il le protège et tout, il l'obéit. C'est, enfin, c'est pas le Marek qui est censé se protéger, tu vois. C'est pas lui. Oui, mais il le fait quand même, il le fait de son plein gré, hein. Il est pas genre, il y a pas de chantage ou quoi, hein. Il le fait de lui-même. Après, je me souviens des moments où il lui dit invoque. Le dragon et les deux rats pendant 2 épisodes. Il y en a trop. Je pense, Mehdi, ouais. T'as raison. Duke Devlin a le droit à son propre nom. Ouais, Duke Devlin a le droit à son propre nom. Ouais, non, Duke. C'est juste con. Putain de même guy. Ah, on peut le faire. Bah oui, on peut. Tu peux rajouter des lignes. Ah. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai complètement matrixé le truc. Non, mais il y a des gens, je sais même pas qui c'est. Je les mets en trash, quoi. Moi, j'ai mis tout. Mais là, tu fais un tir au Rosef. J'ai bien pensé que j'ai fait. Marek de base. Ah ouais, t'es radical. Mec, Namu, il sert à rien. Hein. Quoi? Bon, ça suffit. Oh. Namu, il sert à rien, ok. Mais le mec, il met en putain Rose de le mec, il met en putain de S tier Barbossa et il dit que Marek, il sert à rien, quoi. Mais ça n'a aucun sens. Bobassa. Ça n'a aucun putain de sens. Tu feras gaffe parce que sans Bobassa, Atem n'aurait jamais gagné. Ouais, enfin, tu feras gaffe, sans Marek, il n'y aurait pas eu de protection du tombeau et mon cul m'habite et c'est du. Bon. C'est vrai que. Non, parce que Marek, il était possédé. Bobassa, il était. Par contre, il y a trop de S-tier que je mets, c'est horrible, putain. Non, mais moi, je. Putain, moi, le mec, il est là, il y a trop de persos que je connais pas. C'est chiant. Mais il y a trop d'S-tier. Il a fait un tier Duke Devlin, il a fait un tier Trash, il a fait un tier S. Et c'est tout, il y a rien au milieu. Ouais, il y a rien qui se passe. Putain, t'es vraiment une merde. Moi, je maintiens, hein, celui qui. Non, mais attends, mais tu l'as mis là, le pote de. Le pote de Bonze? Non, je l'ai pas mis, ouais, je me disais. Putain, mais il y a trop de persos. Ouais, t'as mis un seul des deux potes de Bonze?
Bah Bonze il est trash. Non mais Bonze il y est, il y a son pote qui y est, mais il y a un autre de ses potes et tu l'as pas mis. Bon oh, putain mais le putain de zombie chauve là, mais qu'est-ce que c'est pas un perso si, ça si, ah oui, non, oui, pardon, je l'ai mal vu. Mais non mais c'est vrai, c'est pas un perso ça. Quel chauve? C'est le bah le pantin de Marek là. Ah lui. Ah oui, bah, un perso vrai, hein. En vrai lui. Ah, mais c'est pas un perso. C'est quand même important parce que c'est la première fois où il invoque Stifler. Hein. Ouais voilà. Ah oui mais c'est pas. Non mais d'accord mais c'est pas lui, c'est Marek. Et alors oui, mais je veux dire le pantin, tu vois, tu t'en souviens de sa gueule. Oui. Ah bah ça oui, il est tellement horrible. Mais d'un autre côté, tout le monde s'en fout. Oui, pour ça, trash tier. Mais le père de Rebecca, je m'en bats les couilles aussi. Non, on parle bien, par contre, le grand-père de Rebecca. Non, il est sympa, mais je veux dire, on s'en fout quand même. Il est adorable. Devant la moquette, il est Professeur Hawkins. Ah, Rebecca, bah je l'ai mis Rebecca en. Mettre... Ah. Par contre, Rebecca. Quoi mais... Rebecca, mec. Putain, y'a trop de F tiers. Rebecca, ça va. Je l'ai mis sur Rebecca. J'ai hésité. Hein. Je t'avoue que j'ai hésité à la mettre en trash, mais pour moi, elle vaut pas le trash non plus, tu vois. Mais voilà. En vrai, j'avais la flemme de faire une autre ligne entre acceptable et trash. En fait. Alors, je vais voir celle de moquette. Yami Bakura. Attends, il va la poster, il va la poster. C'est bon. Non, me dis pas, je veux voir. Putain, mais. Je dis pas. Tu fais la liste au feeling, moquette. Ouais, je fais au feeling, ouais. Mais non, mais parce que. Poggers. C'est compliqué, quoi. Moquette, je sais déjà qu'il y en aura au moins deux qu'il aura mis dans le top. Enfin, trois, du coup. J'en connais déjà. Non, 4. Oh putain. Hop. Je sais que dans le top, en théorie. Ouais, il a ces 4 là. Vas-y, dis. Bah attends, parce qu'après. Ah, j'ai pas mis des noms. Oh, tant pis. J'ai pas mis de noms, tant pis. Parce que. Je suis sûr qu'il a Mana. Mana, Kaiba, Atem et Bakura. Et encore Kaiba, pas sûr finalement. Mais Mana, Atem, Bakura. Le vieux, c'est qui? Bon, ça putain de question. Il y a juste 5 vieux, mais. C'est Aknadine. Putain, il connaît pas la saison 5, merde. Oh là là, il connaît pas. Ça fait trop longtemps, le mec il me demande de me souvenir de trucs de 20 mais, ans. Ouais, mais d'ailleurs, ce mec se fait buter par Marek. Oh voilà, oh, un moquette très beau estir. Bon, sauf Atem qui me like pas. Quoi? Bon, ça suffit. Ah. T'as mis Valon en A? Oui. Je suis surpris, il me semblait que tu le kiffais pas tant que ça. Un habit Judai. Bah si. Poggers, hein. Valon, moquette. Bon, même si je trouve quand même que le combat qu'il fait contre Joey est chelou. Oh, c'est le meilleur de toute la saga. Il est bizarre. Non, le meilleur combat Chun-Li, on se fait chier quand même. Je sais pas ce qu'elle vient foutre là, Chun-Li. Mais parle bien de Viviane. Elle est trop drôle, Viviane. Ah, quand il a mis Viviane en. Bah, elle est trop drôle, Viviane. Ouais, bah, elle m'a guaqué. C'est une sorte de Boa Hancock en moins petit. C'est vrai que c'est un peu pour moi. Par contre, pour moi, je disais, le meilleur combat de DM, c'est Joey Yami Marek. Ah, ouais, je suis Marek. En train de le lire. De toute façon, en anime aussi. Oui, je l'ai vu aussi, oui. Bien. Il a vu la version en VF qui est donc censurée. Bah, elle est quand même bien en VF. Oui, mais y a une grosse scène en moins, quoi. Oui, non, mais le combat est quand même bien, quoi. Le mec, moi, DM, moi, il y a... Moi, du coup, elle m'avait pas marqué quand j'étais gosse. Hein. Putain. C'est mon combat préféré. Parce que je l'avais pas vraiment vu entièrement étant gosse. Mais faut dire, j'aime bien le combat Yami Marek, Yami Bakura aussi, parce que j'étais là, attends, what the fuck, je dois supporter qui? Putain, mais... T'es là, attends, mais les deux, ils ont des têtes de méchants, il y a un problème. Madambé. Ah, fuck me, Ender. Madambé. Comment ça, Bobassa en C? Non, c'est scandaleux. Okay. Putain, mais Bobassa. Bobassa. Il fait rien à part voler 2 frames à la fin. Non, la nourriture. Non, la recherche d'indice, Moquette. La recherche d'indice, t'as jamais eu si bon goût. Non, mais bon, ça suffit, quoi. Kisara, tu l'as mis en C, je pensais que tu l'avais très plus haut. Non, par contre, Moquette, t'as mis le vieux en C, c'est pas possible. Je suis pas d'accord. Qui ça? Je suis pas d'accord. Mais bah, le grand-père, t'as pas le droit. Le grand-père, il fait rien de sa vie à part nettoyer son petit magasin. Alors, déjà, le grand-père, il est dans la télé. En vrai. D'abord, il est dans la télé. Non, fais voir. Écoute. D'abord, il se fait. Mais Jabir, il met Serenity en top tier, mais. Bon, je me casse. J'aime trop Serenity. Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait?
Il a mis Serenity en top tier. Mais Serenity, elle est trop cute. Serenity, c'est un légume comme. Mais quel enfer! Mais laisse-la tranquille, Serenity, merde! Mais c'est comme Jean. Jean dans Vrains, il passe Serenity sur une chaise roulante. C'est exactement la même chose. Serenity, c'est pour Jabir, c'est la putain de meuf dans Kimetsu, là. C'est tout. Non, mais non! Mais arrêtez, mais Serenity, elle est cool! Non, mais elle fait rien de sa vie. Oui, voilà, Nezuko. Mais elle faisait de la paix. Bah oui, mais tu la mets pas S tier, putain. Mais elle est bien, moi je l'aimais bien. Non, mais en fait, je pense que c'est surtout. Je l'aimais surtout son plot. Mais en quel enfer! Mais. Je l'ai sauvé et tout. Mais elle a pas de plot, c'est spécialement le perso parce que tu la vois pas beaucoup. Mais... Elle a pas de plot. Mais elle a pas de plot, mais... Gabi. Mais, le... mais si, le... enfin le plot c'est plus Joey qui le fait. Mais... Oui, là, oui. Oui, mais c'est mais Joey. Mais c'est le plot. C'est Joey, c'est pas bien. Elle. Oui, mais elle fait partie du pilote quand même. Ouais, ouais, donc Nezuko quoi. Mais. Littéralement ça. Serenity, mais c'est exactement la même chose quand on y pense, hein. Mais oui. C'est la tranquille Serenity. Oh, ah, putain, ok, donc j'allais dire t'as le mec de Nezuko quoi. Non, mais Serenity elle est cute quand même, laissez-la tranquille. Mais par contre, à côté de ça, il met Bobasta en B. Et Valon en B. Et ça, ça me donne envie de. Ah, mais oui, non, mais il met Serenity avant Valon quoi. Ouais. Et avant Bobasta. Bon, bon, et, bah... et avant les frères paradoxes. Et tu mets un secteur Aga un aussi haut. Hein? Il est où un secteur Aga? Il a eu Mako Tsunami en B. Attends, il est où? Mako Tsunami et Rex Raptor, j'ai envie de casser ma télé. Ah pour moi le B c'est genre mid-tier, c'est genre 1. Hein. D'accord. Rex Raptor en B, je suis bien. Un petit mot, j'allais dire peut-être Rex Raptor. Extraptor top 1, comment ça se passe? Franchement, B et C, si je pouvais les mettre en catégorie ensemble, je le ferais. Je pense que t'es poussé. De ce que je vois, t'as pas vu la saison 5 puisque tu mets Léo, Siegfried et Viviane en dessous de tout ça. Non, mais je pense qu'il est possédé par le chétan en fait. Non, mais Léo, Siegfried et Viviane, please. Il a pas vu la saison 5. Mais si, je l'ai vu, mais. Merde quoi. Je m'en bats les couilles de leur gueule. Oh le Hiroshi, gros sur 20, Bobasta, et c'est tout. Gros sur 20 tiers, phase de garantie. Pourquoi le grand-père il est. C'est grand-père. Pourquoi grand-père? Mais parce que c'est grand-père. Mais parce que c'est Dave. Dave. Tu te connais pas Dave. Quel tu vois, on sent l'absence de respect déjà, quand. Le pantin de Marek, il est devant Shizu, Théa et Zodiac. J'avoue, mais ça n'a aucun sens. Attends, mais tu mets le pantin devant Viviane. Hein? Non, non, il a mais même non, mais moi j'ai rien mis dans l'ordre là. Mais non, Viviane elle est en dessous, elle est en C et le pantin il est en B. Ah, je crois que tu parlais de Zodiac. Oui, ah non, je parle de Zodiac. Moi je suis sur les Zodiac. Moi je m'en fous de Chun-Li. Oh bah, de quoi je me fiche des persos, pourquoi il y a Kaiba du passé en bas et Kaiba oh, putain Zodiac il a mis Mai et Insector Aga en haut de tout le reste. Bon. Insector Aga faut dire qu'il est emblématique. Ah oui, ouais, merci Exodia, la plupart des gens savent même pas le duel qu'il y a après. Super. Bah, et alors tu sais bon. Le duel qu'il y a après En attendant. Moquette. Oui. Zodiac se fiche de mana, il l'a mis dans le rang OZF. Oh ça, j'avais pas vu. Au Bassa aussi. J'avais pas vu le coin où je me fiche des persos. Ok, c'était la goutte de trop. Non, écoutez non, les putain, gens. Mais... Il va bientôt être 23h, donc il est temps pour moi de fermer l'établissement. Je suis. Putain, il est malade. Mais what? Mais ferme ta mère. Jabir, tu l'aimais, tu t'en souviens même pas, tu l'aimais parce que Boquet les kiffe. J'avoue, il a mis. Oh là là. Bon, très bien. Et on en revient au débat tout à l'heure, est-ce que Jabir est un yes man? Oui. Non mais c'est pas parce qu'on ne se souvient pas d'un perso qu'il faut le mettre en trash, moi je pense que c'est la conclusion de ce terrible débat. En tout cas, eh bien merci à tous d'avoir suivi ce petit live bien sympatoche. On se donne rendez-vous demain pour le manga Manganomi. Et puis eh bien d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Bonne nuit à ceux qui vont se coucher. Et merci d'avoir mis l'ambiance, c'était super cool. Des bisous les gens, des bisous le chat. Tchou. Voilà. Des bisous. Alors Yuto a fait sa tier list de Pokémon. Ah ouais. Flora.